Et salut à tous, c'est Blacky. Aujourd'hui, je suis sur Guild Wars 2. Alors, ça fait un moment que je me suis pas connecté sur Guild Wars 2. Pourquoi ? Parce que j'avais autre chose à faire. Mais aujourd'hui, je me connecte. Il y a aussi une raison à ça. Il y a eu une update. Et apparemment, l'Arche du Lion va être réparée. Et donc, apparemment, dans cette update, on peut voir les échafaudages, etc., qui sont dans la ville. Et donc je me suis dit que j'allais faire un petit tour, histoire de voir un peu ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, ce qui va être réparé, ce qui ne va pas être réparé. Il est également à noter que l'équipe de développement de Guild Wars 2 fait actuellement des sondages pour savoir quels seront les noms des différents emplacements dans la ville, dans la version française. Et sûrement qu'ils font les sondages pour la version anglaise aussi, mais en tout cas j'ai vu les sondages pour la version française. Donc on peut déjà voir ici qu'il y a pas mal d'échafaudages, etc. Donc apparemment il y a le truc là-haut qui va être reconstruit. Donc comme vous le savez sûrement si vous jouez à Guild Wars 2, l'Arche du Lion a été détruite à la fin de la saison 1. Ça fait un peu plus d'un an il me semble, ou alors environ un an, qu'elle est dans un état complètement défoncé là. Et donc maintenant ils ont décidé d'arranger ça et elle sera apparemment réparée pour la saison 3. Et donc en attendant, il y a des échafaudages partout et on peut voir que la ville est en construction ou en réparation. Et il y aura également des nouveaux lieux apparemment, donc j'ai pas ça sous la main là tout de suite, mais je vous mettrai un lien dans la description pour voir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, les nouveaux bâtiments, les nouveaux noms qu'on peut donner au truc. Donc là déjà on peut voir, il y a pas mal d'échafaudages là-haut. Il y a également une petite lumière comme si quelqu'un était en train de souder là-haut un truc. Ah, là-bas on peut voir qu'il y a pas mal de trucs aussi. Donc là je me balade avec mon perso, c'est un ranger là avec son pet. C'est le perso que j'ai monté un peu, c'est mon premier perso niveau 80. Voilà, donc je me balade un peu avec. J'ai pas énormément joué à ce jeu, j'ai environ une centaine d'heures de jeu, je sais pas. On va voir ça tout de suite. 154 heures, non 216 heures de jeu, d'accord, très bien. J'en ai pas rendu compte. Donc c'est pas beaucoup pour un MMO, mais pour un jeu en général, ça va. Donc là, il y a pas mal de trucs en construction. Voilà. Donc ça s'annonce bien, hein. Apparemment, l'Arche du Lion va retrouver sa splendeur d'antan, donc ça nous fait plaisir. Même si j'ai rejoint le jeu tout petit peu avant qu'elle soit détruite, du coup j'ai même pas eu le temps de voir exactement à quel moment elle a été détruite et à quoi elle ressemblait avant. Je l'ai vu qu'en vidéo, mais je pense que ce sera bien de qu'elle soit reconstruite. Donc là-bas aussi des petits échafaudages, c'est intéressant. Là on peut voir qu'il y a un mec qui travaille pour réparer le pont, donc évidemment le pont sera réparé. Paraît logique. Bah, je vais aller un peu vers le sud là. Il y a une histoire de forge mystique par là-bas. Enfin, lui aussi il fait des trucs. Donc maintenant il y a des ouvriers qui se baladent. Là-bas aussi on peut en voir un, je crois. Au fond. Ouais. Donc ouais, ça me semble intéressant. Je vais aller un peu par là. Non, par là. Ah, donc on peut voir aussi qu'il y a des tas de poutres qui vont servir à la construction. Donc c'est bien que les développeurs aient mis tous ces détails dans le jeu, parce que ça aurait fait un peu bizarre quand même que d'un coup elle est cassée, puis une update et d'un coup elle est réparée. Bon, ça fait une petite période de transition où on voit que l'Arche du Lion va être réparée. Ça peut aider aussi ceux qui ne suivent pas les news, etc. Par exemple, ça, là aussi, ça c'est nouveau, ça. Ça c'est nouveau, il n'y a pas de tas de bois. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y avait pas le truc de tente bleue là-haut, la dernière fois que je suis venu. Parce que je montais là-haut pour acheter mes machins là. Enfin, pour retirer mon argent ou je sais plus quoi. Il n'y avait pas le truc bleu là. C'est nouveau aussi ça. Ouais. Ouais. Non, ça me semble bien. Je vais voir un peu l'espèce de port qui est là-bas. Mais à mon avis, il n'y a rien qui va changer là. Ouais, il y a toujours. Chose là, le mémorial de je sais pas quoi là. Bon, rien ne va changer là. Enfin, ils vont sûrement réparer l'entrée là, etc. Donc ça s'annonce bien. Voilà,
Donc c'était juste pour faire un petit tour de l'Arche du Lion, parce que ça me faisait envie. Et donc maintenant, je sais pas si je vais continuer à jouer ou quoi. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Quoique... Ah, il y a des trucs que j'ai pas vus, là. Oh. Oh. Ah. Donc non, ce n'est pas tout pour cette vidéo. Il y a ça, c'est nouveau. Je sais pas ce que c'est. Il y a du sable au fond également. C'est bon, je suis dessus. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Tiens, je vais aller voir là-haut aussi. Je dirais qu'il y a des choses. Je vais essayer de pas tomber, ce sera gênant quand même. Ouais. Je connais pas énormément bien la ville, mais je voulais juste voir les changements, etc. Parce que... C'est un jeu que j'aime beaucoup, mais j'ai pas eu l'occasion d'y jouer énormément. C'est un peu dommage. Mais je pense y jouer un peu plus cet été, par exemple. Mais je suis coincé, là, sérieusement. Bon, ok. Donc je voulais aller là-haut, il me semble, pour voir un peu ce qui a changé ici. Bah rien du tout en fait. C'est peut-être là-bas ce que j'avais vu. Ou alors là-bas c'est l'entrée d'où je viens. Ouais. Mmh. Tiens, c'est nouveau ça, le machin, là. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que c'est? Mmh. Eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas, on verra bien. Une grande structure... Je sais pas, peut-être une muraille, j'en sais rien. Intéressant. Donc là-bas, c'est l'entrée d'où je viens. Donc je vais retourner de l'autre côté. Tac, je vais aller ici. Parce que... Il me semble que c'est de là qu'on part pour faire du PVP. Oui, de là-bas, là. Donc je vais voir si la place du marché, là, elle a changé un peu ou pas. Je sais pas si c'est une place du marché ou je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, c'est un truc où il y a des choses à acheter et des machins. Donc c'est de ça que je parle là. Ah, donc il y a aussi le ce truc là qui va être reconstruit, je suppose. Ah, et derrière il y a tout ça aussi. Intéressant. Donc ils ont fait plein de notifications comme ça pour nous montrer qu'ils travaillent dessus et que ça va être bien. Hmm. Voilà. Je trouve ça intéressant. Bon ben... Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé, si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Et... voilà, je vous laisse sur cette vue de... du port, et à la prochaine. Salut !